Bonjour Zora. Bonjour Edouard. Tu n'es plus à présenter, tu es une membre de Bagnolet en commun, une jeune bagnoletaise, une championne d'escrime. À la veille de ces élections municipales, tu connais la situation de la ville, tu connais aussi la situation politique. Qu'est-ce que ça t'inspire ? La ville doit prendre une autre trajectoire, rien ne va plus à Bagnolet, et depuis maintenant trop longtemps. Je suis une étudiante et également sportive. Toutes ces rencontres et ces richesses que j'ai pu acquérir grâce au sacrifice de mes parents, eh bien tout cela me permet d'avoir une certitude. Aujourd'hui, je sais que la force d'un groupe réside dans sa cohésion. On a tendance à dire à Bagnolet qu'il y aurait une fracture entre d'un côté les quartiers populaires, de l'autre les pseudo-bobos. On a tendance à dire qu'il y a une fracture politique entre communistes, socialistes, écologistes et que sais-je. Qu'est-ce que toi tu proposes concrètement ? Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les quartiers populaires et de l'autre les bobos. Nous devons apprendre à communiquer et à échanger tous ensemble. Il faut aller au-delà des divisions et des frontières imaginaires qui existent dans Bagnolet. Et il ne faut pas non plus nier la réalité de la situation de notre ville. On peut ne pas être d'accord, mais on reste dans tous les cas unis. Je conçois Bagnolet comme une grande famille. Il existe des désaccords, c'est réel, mais on vit tous à Bagnolet. Seuls les échanges, la discussion et la formation de certaines thématiques permettront de faire évoluer les points de vue de part et d'autre. Cette cohésion nous permet d'apprendre de l'autre et c'est ce qui fait notre force. Elle nous permet d'accepter l'autre tel qu'il est et c'est comme ça qu'on évolue jusqu'à la victoire et la réussite de tous. Une des réponses parfois qui est proposée, c'est de parler de vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette notion de vivre ensemble ? Le vivre ensemble est un concept qui m'a toujours étonnée. Parce que l'on vit déjà ensemble, on vit tous à Bagnolet. Je pense que vivre ensemble n'est pas le problème, et ne l'a jamais. Pour moi, ce n'est que des slogans qui nous ont été vendus pendant de nombreuses années. La véritable question, c'est le cadre de vie où nous vivons à Bagnolet et ailleurs. Ce n'est pas parce que nous vivons ensemble que nous avançons ensemble. Le problème, c'est que tous les bagnoletais ont été divisés. Pour moi, les premiers responsables sont les partis politiques en place. Ils sont tout l'inverse de ce qu'ils disent en général. Je pense qu'ils sont l'opposé de l'intérêt commun. C'est toujours les privilèges d'un petit nombre au détriment des autres. Il faut que cela cesse à Bagnolet. Moi, en tout cas, je n'en veux plus. Je souhaite que nous avançons tous ensemble. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait que tu es trop jeune, trop inexpérimenté pour t'engager, pour exercer des responsabilités dans ta ville ? On nous oppose toujours notre jeune âge ou notre prétendu manque d'expérience. Je pense que dans notre ville, à Bagnolet, les jeunes ne sont pas assez mis en avant politiquement. Ils ne sont jamais en responsabilité et quand ils y sont, ils sont tous dans la continuité. On comprend par la suite qu'ils ne sont pas libres d'innover par eux-mêmes. Moi, je veux démontrer qu'être jeune ne veut pas dire qu'on est incompétent. Au contraire, aujourd'hui, je pense qu'il faut être capable de s'adapter, d'innover et de se former rapidement. Pour ma part, j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre. Alors, est-ce que tu aurais un mot de conclusion ? Qu'est-ce que tu espères finalement pour ta ville à la veille des élections municipales ? Il faut proposer aux bagnoletais une liste équilibrée avec des jeunes et des moins jeunes. Tous choisis pour leurs compétences et l'envie de faire avancer Bagnolet. Je pense aujourd'hui qu'il est temps de renouveler complètement le personnel politique à Bagnolet.